Ah, te voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien? J'aime pas devoir te déranger pendant que tu joues, tu sais bien, mais... Mais je crois que c'est l'heure, princesse. Allez, princesse, tu joueras tout à l'heure, c'est promis, viens. Non, c'est pas par là, Jodie. Je sais que t'es fatiguée, Jodie, mais on doit y aller. Allez, vite, Jodie! On y va. Nathan va nous attendre. Ah oh non, pas ça. J'ai plus de monnaie. Salut, en Cole. Salut, Alan. C'est presque prêt. Ça fait deux semaines que j'attends. Salut, ma puce. T'es trop mignonne aujourd'hui. Et voilà. Il va pleuvoir ce week-end. Il a beaucoup plu cette année. Je suppose que... Par contre, il ne fait pas trop froid. Non, en effet. Encore à faire du babysitting, Cole? Très c'est marrant, Phil. Salut, Jodie. Comment s'est passée ta journée? Ça peut aller. Ok, on va te mettre ça sur la tête. Tu te rappelles? C'est comme une couronne. Et voilà. Maintenant, t'es une vraie princesse. Ne t'en fais pas. Tout va très bien se passer. Je suis à côté si tu as besoin de moi, d'accord? Jodie, est-ce que tu m'entends? Ok, on y va. Kathleen est dans la salle d'à côté. Et elle a les mêmes cartes que toi.
On va lui demander d'en choisir une, et on va voir si tu peux deviner celle qu'elle a choisie. Tu crois que tu y arriveras ? D'accord. Super, alors on y va. Première carte ? Le rythme cardiaque du sujet tombe à 45 pulsations par minute. Je note une augmentation des ondes cérébrales θ à 4,5 Hz. La température ambiante a chuté de 10 degrés. Ça paraît être... Aiden, laisse-le tranquille. Ça va ? Oui. Oui. Ça va. Carte suivante. Carte suivante. Oh. Vous sentez ça ? Il fait de plus en plus froid. Il est là. Aiden, non ! Hey ! C'était quoi, ça ? On dirait qu'Aiden n'est pas de très bonne humeur. Il fait ça pour s'amuser, c'est tout. Revenons-en à l'expérience, maintenant. Arrête de faire des bêtises. Bien joué, Jody. On va essayer autre chose. Jody, dans la pièce d'à côté, on a installé des cubes sur la table. Tu crois que tu pourrais les faire tomber ? Est-ce que tu peux faire bouger d'autres objets ? Ha ha ha!
encore une fois. C'est une fille. Elle doit être super importante pour tout ce bordel. On est dans top priorité. La fille. Accusée de trahison. Enfin, ce qui paraît. Bonsoir. Contre. Madame, retournez à votre place, s'il vous plaît. Merde, c'est elle! C'est elle! Tout le monde à terre!
D'ici avant qu'ils reviennent. Passez par l'autre côté ! Oh merde ! Faites attention ! Attendez, Elise !
quelque chose ? On a besoin de lumière par ici, j'y vois que dalle. Oui, vas-y, Aiden. Putain, Mike! Qu'est-ce qui te prend? Quoi? T'es cinglé? Pose-moi tout de suite ce putain de flingue! Hé! Tu peux me dire ce que tu fous là? Allez, Mike! Ça suffit! T'as pété un câble? Putain de merde! Position. Pas le choix. On va devoir passer tout droit. T'es prêt, Aiden ?
Barrage Tango. On l'a loupé. Je répète, on l'a loupé. Elle va vers Baker Town.
Dites-leur de me foutre la paix, d'accord? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. On y va, Aiden. Je crois qu'ils ont compris le message. Jody! I don't think I'm gonna make it. Ever since I was born, I've been linked to an entity. Hey. Jody? You know, sometimes adults imagine things too. What's your name? Jody. Welcome back to the land of living, Jody. His name is Aiden, and he's always with me. What did you do to that boy? Susan, this is going to start with either you're crazy or dead. Please don't leave me here. You're a monster! You hear me? A monster! Mommy! It's over, Jody. It's over. Concentrate, Jody. Some things that I'm not proud of. You lied to me. You used me to do your dirty work. Tell them to leave me the fuck alone. Because next time, I'll kill everyone. PlayStation.